Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur OTP, on espère que vous vous portez bien, bienvenue dans cette seconde journée d'IMI Master, phase de play-in. Aujourd'hui 6 BO1 et on suivra bien sûr avec beaucoup d'attention le groupe dans lequel évolue le seed de numéro 3 de la LFL, les Gentlemates. Bonjour mon cher Zerotic, c'est l'heure d'un grand e-sport. Ouais, c'est l'heure de l'e-sport effectivement. Avec, comme tu as dit, le groupe de Gentlemates, ce ne sont pas eux qui joueront le premier match. On aura d'abord le bonheur de regarder GK contre Glory. Un match hier qui était le match final de la journée sur lequel Noé et Fingin se sont arrachés les cheveux. Mais ce sont bien deux équipes en 2-1, même score que Gentlemates, donc deux adversaires directs. Absolument, et c'est... Alors, on dit Glory? Ouais, on dit Glory, apparemment on a j'aime eu bien le Glory quand même, mais on verra si je respecte. Donc, déjà, vous le voyez, on est dans le groupe D, il y a trois autres groupes, mais dans lesquels il n'y a pas de représentants de LFL. Nonobstant, il y a bien sûr, du côté du Anorth 6 Famagusta, Stormax, de qui on prendra quelques nouvelles, bien entendu, au poste de jungler au niveau de la Ligue grecque, qui sont 1-2 pour l'instant, donc pas forcément une position de choix. Vous pouvez observer qu'il n'y a aucune équipe invaincue dans cette phase de play-in d'IMI Master. Même l'équipe turque, l'équipe turque dans le groupe C a drop une game. Et on a également dans ce groupe Genk, les représentants belges, Team Fantasma également. Groupe C, on a des noms qu'on connaît. On a des noms qu'on connaît également. Mais effectivement, personne qui est en position tranquille, chill, on n'a qu'un match à gagner et ça passe. Tout le monde est stressé aujourd'hui. Ouais, ce qui est étonnant sur le groupe C, c'est qu'il est très étonnant au niveau du groupe D, puisqu'on s'attendait à ce que ce soit soit Mate, soit Geekay qui ressortent du Day One en étant invaincus. Mais les Glory se sont imposés face aux Geekay, donc c'était déjà une très très belle performance pour les représentants seed numéro 2 de la Ligue Tchèque face aux Geekay qui, vous l'aurez compris, vous l'avez certainement vu hier, ont également un mix d'excellents joueurs turcs et d'anciens joueurs de Corée du Sud, dont notamment Léo. On va en reparler tout à l'heure. Voici le planning des matchs, l'intégralité des matchs. Et nous, on se concentrera exclusivement sur le groupe D parce que on est chauvin. Et tout ce qui nous intéresse, évidemment, le destin des Gentlemates. Rappel très rapide, il faut être top 2 dans un groupe de 4. Qu'on soit en première position ou en seconde, ça changera les questions de seeding puisque les top 2 seeds de chaque groupe s'affronteront en croisée, bien sûr, numéro 2 contre numéro 1 d'un autre groupe. Quel groupe ? Apparemment, on ne sait pas encore. Très bien, c'est du hasard cette fois. Alors, l'année dernière, c'était on croisait les groupes C et D, les groupes A et B. Ouais, effectivement. On ne sait pas à 100% si ce sera exactement la même chose. Donc, on ne peut pas vous faire de plan sur la comète en mode si Mate s'impose ici, ils affronteront telle ou telle équipe. Ouais, parce que dans le groupe C, du coup, c'est le groupe de l'équipe turque. Ouais. Donc, il y aurait potentiellement, en fonction des résultats, peut-être un France-Turquie pour réussir à rentrer en play-in, en main stage. Voilà, reste à voir exactement à quel point on aimerait bien croiser avec un autre groupe, quoi. En toute franchise, il y a des affiches qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Et figurez-vous que nous rentrons déjà dans la phase de draft. Alors, ce match, donc, Ligue arabe, contre la Ligue tchèque. Draft concept. Excellent, ça commence super. Et donc, Glory qui s'était imposé hier face au Geekay. Étonnamment, j'ai envie de te dire, très étonnamment. Ouais, c'était une game qui était longue, lente, et dans laquelle, au final, on a eu Envy Carry, du coup, leur midlaner, qui a fait un superbe play de Yone pour terminer le travail, qui est allé attraper Léo, qui était sur une Senna. Et pour le coup, quand on a vu les deux autres performances de la Carry Geekay, j'étais en mode Senna. Bizarre. Moi, bizarre. Il peut pas jouer un hyper carry, continuer de montrer des clics ou tout à l'heure. Bizarre. Ouais, ok. Ouais, ça se voit qu'il a passé quand même quelques années en LCK. Oui. Beaucoup d'années d'ailleurs. Hein. Il a été chez SK Telecom, pas T1. SK Telecom. Ouais. C'était un trainee. Il était censé être l'héritier, l'enfant béni. Il est également passé du côté de Liv Sandbox. Il a fait ses armes également chez les Africa Freaks. Il a partagé une bot lane avec les Hens. Ouais. Il était dans la même équipe que Keen. Keen et les Hens qui sont tous les deux champions de Corée du Sud, hein, évidemment, pour ceux et celles qui ont suivi. Donc Léo, grosso modo, c'est pas un peintre. Il a fait une petite année au Japon où il a fini en 3-4, ce qui était franchement pas trop satisfaisant vu l'écosystème japonais. Et le voici donc en représentant de Ligue arabe. Et on imagine qu'il veut s'exporter à l'Ouest comme beaucoup de joueurs coréens avant lui. C'est ça s'est fait. Et bon, il y a également un top laner qui est coréen, Bong qu'on a déjà vu au Worlds, vu qu'il était avec Movistar Riders depuis la LLA. Donc, il y a de l'expérience de ce côté-là. El Ramir qui a déjà gagné. Ramir, oui. Enfin,
La line-up, elle est quand même taillée pour aller jouer le main stage sans trop de soucis. Donc, c'est pour ça que hier, c'était un upset de la part de Glory. Aujourd'hui, je suis très curieux de voir quel est l'angle que les Geekai vont choisir. Est-ce que Léo a tout simplement dit « Bon, les gars, prochaine game, vous me donnez Jinx ou Zeri, on n'en parle plus. » Oui. Et on passe à la suite, tu vois. Ça peut faire partie des possibilités. Et très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Maintenant, Glory a fait également une belle performance. Envy Caris, également un nom qu'on connaît depuis un bon moment sur la scène européenne, qui, en discutant un peu, était plus connu sous le fait qu'il était streamer. Mmh. Il a joué des Twitch Rivals, c'est Twitch Rivals, LCK, pas la même ambiance, mais on le connaît déjà, tu vois. C'est une sorte de référence allemande, mais des joueurs allemands, il y en a beaucoup qui sont assez populaires. Remarque, aujourd'hui, je sais pas trop en réalité comment se porte l'écosystème allemand. C'est redescendu un petit peu, mais bon, ça doit bien se passer. Tolkien Alcohol Stream du LEC. Oui, voilà. C'est vrai. Ils ont déjà ça. Puis bon, l'Allemagne, on va pas mal en parler puisque les season finals seront à Munich. Ouais. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus au niveau de ces IMIA? On change de patch, bien entendu. On évolue de un patch par rapport au précédent sur lequel on a disputé les différentes phases finales, LCK notamment. Et ce sera un patch plus tard que la LPL, puisque la finale de la LPL, elle arrive samedi. Ouais. Et donc, du coup, voilà, ce ne sera pas vraiment les mêmes données. Est-ce qu'il y a d'énormes changements vis-à-vis de ce patch? Quelques-uns. Je pense que celui sur lek'el on peut s'attarder le plus, c'est peut-être Rek'Sai. Moi je serais plutôt parti là-dessus. Voilà. Ouais, qui a été nerf. Je vais aller le vérifier. Rek'Sai, tu vois. Il y a eu des petits changements sur Camille. On a vu hier Ragnar partir sur la Camille top. Tout de même, tu vois, petit changement pour faire en sorte que... Bon, bien évidemment, elle était oppressante au poste de support pendant très longtemps. On fait quelques petits changements pour la revoir au niveau de la top lane. C'est la game... Est-ce que c'est la game qu'ils avaient perdu ou pas? Non, il avait gagné la game avec Camille, si je me souviens bien, du côté de Ragnar. De mémoire, c'était le cas. Et bon, il y avait eu pas mal de buffs. Tu l'as dit, Rek'Sai. Il y a Galio également qui a été buff, qui est, je pense, celui qui avait reçu le plus de montants en puissance. Camille, voilà. Galio, lorsqu'ils sont en période de buff ensemble, on peut imaginer quelques synergies. Mais Rek'Sai, ça change beaucoup de choses. Voilà, Camille, Galio, période hyper carry, Jinx, Zeri, comment tu réussis à aller... Voilà. Alors, c'est ça qu'on a vécu hyer, véritablement. C'est des bot lanes à base d'hyper carry plus enchanteur avec des top laners en dehors de certains cas particuliers. Mais par exemple, le match Geekai Gentlemate, c'était Ornn contre Sion, Jinx contre Zeri, Milio contre Lulu... Et c'était vraiment front to back. admettons front to back. Et donc c'était vraiment un style de jeu très très traditionnel, sans vraiment beaucoup d'ambition en dehors des différents teamfights et des rendez-vous au dragon, quoi. Quelque chose de vraiment très très basique entre guillemets. Il y a un monde où ces IMA Masters sont gagnés par le meilleur AD Carry. Voilà. C'est vrai. Donc je pense que du côté de la LFL, plusieurs équipes qui peuvent être contentes quand ils voient la qualité de leurs AD Carry. Bon, Bao, Kedui, Kaliste, c'est vrai qu'on n'en voit pas la délégation la plus gaise à ce niveau. Voilà. Certain. Mais attention tout de même, force, respect et patience. Pour la phase de main event, bien sûr, ce sera très très bientôt, puisque les IMA Masters sont condensés en deux semaines, donc c'est très 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 intensif. Et rassurez-vous, on va avancer à vitesse grand V pour introduire les BDS Academy et la Carling Corp Blue. Ouais. Alors, ce sera à partir de vendredi. Vendredi, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, vendredi pour le début des group stage. Parce que demain, on aura encore les BO3, bien évidemment, qui vont conclure cette phase de play-in. Mais déjà, place au groupe. La draft n'est plus cancel. On est dedans avec... Et je parle pas trop bien. Attention. Avec les petits bans habituels, Envy Carry, t'es surtout connu pour un petit Yasuo qui va être retiré et Guillou va déjà nous montrer une Harry ouverture comme il faut, ouverture propre. Par contre, si on prend Zeri côté Glory, on n'a pas la Jinx en réponse, mais on va préférer nous montrer un Varus, tiens. Ouais. Ok, ambition early game tout ça. Ambition early game, absolument. On veut pas jouer scaling comp front to back contre Léo. Qui, on le rappelle, voilà, en termes de tier list, Léo face à Reigning, la comparaison est très difficile à faire, hein, bien sûr, grand respect à Reigning. Et voilà, c'est parti. Pas de Jinx, ce sera plutôt un Aphelios pour Léo.
Et on verra quel support enchanteur l'accompagnera. Lulu, Milio, les deux fonctionnent très très bien avec. Et s'il a besoin d'un peu plus de patate en lane, on demandera également une petite Renata. Mais voilà, Bong, il est parti sur son tank. On garde en tête l'option éventuelle de swap lane. Hein. Si on voit côté Glory, on a une Ashe qui vient accompagner ce Varus. Mec, ça va swap lane. Hein. Ah, tu vas pas affronter Ashe Varus. Hein. Voilà. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Comme devoir, mais en théorie, effectivement, ça peut swapper. Ouais, on a eu du swap lane Crook level 1, comme a dit Marex hier. On va voir, mesdames et messieurs. C'est vrai que l'heure du swap lane a sonné et toutes les équipes vont s'essayer à l'exécution. On devrait avoir quelques incidents à gauche, à droite. Pas mal la coupe de cheveux de décapé. J'aime bien. Ouais, elle est assez lourde, ça doit être super dur de faire pousser ça. De fou, hein. De fou. C'est, je cherche le nom, mais dans les Simpsons. Le, ah, tu vois Tighty Bob. Tighty Bob, c'est ouais. Tighty Bob. Ouais, énorme, absolument énorme. Alors, ban de Lulu, ban de Milio peut-être pour follow. Bien sûr. Et du coup, la Renata face à... Je sais pas si t'as plus peur de Milio ou de Renata d'ailleurs, vu le début de la draft Glory. Milio. Que... Ok. Milio, parce que tu peux... Enfin, normalement, tu cancel 100% les hooks de Nautilus en te mettant devant, faisant wouh. Mais ouais, mais la Renata, normalement... Et tu cancel Varus aussi. ...devrait être... Ah oui, c'est vrai. Surtout. En vrai, je pense que c'est le meilleur argument, l'ulti Varus qui devient inexistant à cause de Milio. Donc, on aura sûrement une Renata pour décap. T'as dit... Moi, j'ai mis décapé parce que ça me rappelle une manière de compter, si tu veux, tes points de loot sur World of Warcraft. Il y avait un système qu'on appelait de décapé, c'est les Dragon Killing Points, je crois. Okay. Et en gros, à mesure que tu participais dans les raids, etc., t'accumulais cette monnaie virtuelle et tu pouvais la consommer pour acheter tes loots dans les prochains raids. C'est pour ça que dès que je vois ça, je me dis décapé, ça me rappelle l'ancienne époque. Mais ça se trouve, c'est décap. Hein, voilà. J'adore cette explication à base de cartes graphiques, là. J'aime beaucoup. Alors, une Harry dans Harry. Akali dans Harry, pardon. Oh, match-up miroir. Retour à l'ancienne. Ça serait un banger absolu. Oh. Trèche, waouh, ok. Je m'attendais pas au trèche. C'est osé, hein. C'est vraiment super osé. Parce que même dans Nautilus, habituellement, les supports préfèrent être du côté Nautilus pour réussir à répondre à l'engage d'un trèche. Sauf que c'est les derniers buffs de trèche, c'est en 0.8. Hein, ouais. Ouais, pour un peu plus de résistance qui sera donnée à trèche. Ça sera pour le MSI. Ce sera pas pour les IMI Masters. Et du coup, il nous manque le jungler. Une popette. Bon, face à Kali, face à... Elle tombe pas mal. Elle tombe pas mal. Elle tombe pas mal du tout, cette Poppy. Et matchup top lane, est-ce qu'on répond au tank ou est-ce qu'on a quelque chose pour... C'est Varus top? Mais non. Alors, si c'est Varus top, je le dis dès maintenant, cet tank de Ezreal n'est pas légal. Voilà, ok. Ah, Twisted Fate. Quelque chose qui... On n'est pas dans le tank. On va essayer d'étendre la carte, de jouer speed push. On va fuir le 5v5 pour Glory. C'est pas idiot, hein. Et vraiment pas idiot. Je suis plutôt d'accord avec ce choix. C'est vraiment pas idiot du tout. On a très peu de potentiel pour catch ce TF. On a éventuellement Harry, mais c'est sous réserve que des skill shots touchent, honnêtement. Ouais. C'est pas garanti contre TF. Et à côté de ça, no joke, on a rien pour... contrôler ce Twisted Fate. Non, c'est... Bah, en fait, j'aime bien le choix. Akali TF, j'aime bien, en réalité, pour aller assassiner un ADC. Je trouve ça vachement, vachement oppressant. T'as pas mal de flanks et ils ont une composition early game qui est, je trouve, pas idiot, hein. Facilement activable. Ah, pour Geekai, on va falloir réussir à tenir le coup en early game, puis après, forcer les 5v5. Hein. D'une manière ou d'une autre. Hein. C'est vraiment pas bête, ça. C'est vraiment pas belle. Il va falloir bien sûr que la laning phase se passe bien. Mais contre un Sion Poppy, je vois mal comment tu catches un TF, honnêtement. Il y a même un monde où si l'early game se passe vraiment bien, bah, il raid les deux dans les yeux. Hein. Ouais, c'est possible. Et il envoie des cartes. Hein, tant qu'il burn pas ses deux summoners d'un coup, il n'y a pas de souci, je pense. Il ne peut pas se faire tag par l'ultition en frontal s'il a au moins un ghost ou un flash de disponible, et ça permet au Voli vraiment de jouer full side opposé sans vraiment considérer la top lane, et ça devrait très très bien se passer. Alors ça va mettre du temps, hein, à push, à prendre les plates, etc., parce que Sion est bien sûr le meilleur weak sider de l'univers, et il va temporiser un max, mais il va y avoir un gap économique extrêmement important, logiquement.
entre Bong et Edbic. Maintenant, reste à voir si au niveau de la botlane, ça se passe comme ils l'ont prévu à la draft. Là, le Varus Nautilus doit également mettre du rythme, ça doit mettre un peu de pression. Et le gros point fort d'Aphelios par rapport à Jinx et Zeri, c'est que tu as quand même un peu plus d'outils pour répondre en early game. Ton sniper est efficace pour les premières waves. Quand tu arrives sur le timing Gravitum, tu peux quand même réussir à répondre, même si Varus et Nautilus sont censés être un peu plus forts. Donc, Glory est censé gagner. Mais attention à certains timings que Léo pourrait utiliser. Juste un champion qui, à mon avis, est... Enfin, c'est celui qu'on accuserait en premier si ceci était une partie d'Among Us. C'est Akali. Hein. Là, Akali, je... À titre personnel, j'y crois zéro. J'y crois vraiment zéro, à part si la Akali s'appelle Crème, tu vois, genre... Ok, pas de ref. Là, je ne vois pas comment tu peux faire une bonne game d'Akali dans ces conditions. Tu peux être le second couteau de TF assister, même en side, Akali se... Enfin, en sideline, Akali se fait pulvériser par Sion, en théorie. Par Sion, ouais. Par Sion, c'est pulvériser, hein. Tu ne peux rien faire. En fait, t'es là, tu lances tous ses sorts. Et tu as pété son shield. T'as plus d'énergie, et il te regarde, et après, il commence à te matraquer. Et dans les phases de teamfight, bon, déjà, le W Poppy est très embêtant, mais surtout, il y a Flay de Thresh, il y a des stuns aux alentours, faut toucher ton shuriken, enfin... À la limite, tu vois, ce serait pire si c'était Renata, Lulu ou Milio. Alors, c'est pas parce que ça pourrait être bien. Moi, le Flay, vraiment, il me fait peur. Le repositionnement à la lanterne et tout. Enfin, vraiment, cette game d'Akali, elle est pas fastoche du tout. Et je sens qu'il va y avoir Après, hier, il a fait une bonne game face à Geekai. Hein. Mais il jouait Yone. Il y a autant de dash. Allez. Non, mais... Yone, mesdames et messieurs, Yone. Tu veux vraiment ouvrir cette discussion? Il y a un skin à 200 balles qui a été drop sur Yone. C'est parce que le champion est bien. Il est très très bien. Et pourtant, il a subi quelques nerfs de l'état de tempo et tout. Non, mais Yone, je veux dire, c'est. On se sait. Ouais, voilà. Même les joueurs on de Yone. On se comprend. À partir du moment où même les joueurs, les OTP de ce champion disent ouais, mon champion, il est crack broken, tu sais. Ouais, tu sais. Non, Akali en compétitif, c'est un champion de niveau d'exécution expert. Mais bon, force à Envy, hein. Moi j'ai envie d'y croire. En tous les cas, la draft est logique, ambitieuse, table sur la faiblesse principale de la composition adverse, c'est-à-dire le jeu global sur la carte. Et donc, si on ne les voit pas contester tous les dragons, tous les heralds, tous les poules, Nashor et compagnie, moi, je suis rassuré. Par contre, si on les voit teamfight, fin de tournage. Ouais parce que t'arrives en teamfight, tu tentes une petite gold card sur le Aphelios, il sort du stun et il te regarde droit dans les yeux en mode « Attends, j'ai des chakrams, ouais, on va t'expliquer ». Puis surtout, il y a un élément qu'on n'a pas, sur lequel on n'a pas débattu encore, et vu que les Ops se sont probablement fait kick du lobby, non? Hein, Vicente? C'est le... Nos observateurs, ils se sont fait kick du lobby? Non, c'est bon, on est dans la game. On est les premiers dans la game. On est dans la game. Pas encore. Ok, d'accord. Parce que vous savez, il y a des problèmes de... Il y a un bug sur ce pod. Voilà, il y a un bug. Les Espagnols étaient en retard. C'est normal, il n'y a pas d'équipe... Enfin bref, je t'explique. Mais swap lane, zéro. Ouais, non. On fait comment? Bah, on swap pas. Non, mais si geek et swap, on fait comment? Geek et swap, on fait comment avec tout cette fate? Bah, on souffre. On fait comment on fait? Bah, tu sais pas, demande à Zeus, ça lui est arrivé et il a pas eu de game. Bah, ouais. C'est la seule game qu'ils ont perdu. Ça ne... c'est injouable. Tout cette fate va rejoindre sa botlane Varus Nautilus et ils vont dive le Sion avec un stun de plus. Ce qui va être utile. C'est pour stun le passif, ouais, l'animation. Ouais. Non, mais en réalité, c'est un angle qui est hyper inquiétant. Donc, on conseille vraiment au Glory de prendre un maximum d'informations en début de partie pour savoir qui va où. Parce que si on se retrouve en weak side, en économie faible sur les top laners, évidemment, pour TF, c'est la catastrophe. Et accélérer le Aphelios. Enfin, si tu accélères à la fois le Varus et le Aphelios. Ah, t'enlèves une partie du moment fort du Varus. Donc, je suis d'accord. On a potentiellement un swap lane. Après, reste à voir juste si le pool. J'aurais tendance à dire qu'ils peuvent tout de même jouer les lanes de cette manière. Parce qu'on a tout de même une Poppy au début de partie. Si t'arrives à avoir un bon angle de Poppy très vite au niveau de la bot lane, bah, tu peux à la fois mettre bien ton Aphelios et détruire le Varus, quoi.
tout ce qu'on leur souhaite. Enfin, tout ce qu'on leur souhaite. Je sais pas à qui on préfère voir du côté gagnant, honnêtement, en position de soutien gentlemate, mais j'aurais tendance à dire Glory. Quoique non. On a peut-être plus envie que Geekay gagne, en réalité. Ouais, Geekay, c'est une belle équipe. Enfin, on a envie qu'il y ait un gagnant-gagnant. Qu'il y ait quelqu'un qui soit très haut niveau Discord et qu'on ait une équipe qui s'effondre aujourd'hui. Alors, formation regroupée. Ok. Des deux côtés. Ouh là alors, là. Le Ouh niveau là 1, il est pour qui? Niveau 1 de Volibear TF Nautilus. Ok, c'est un Volibear qui a commencé au E. C'est complètement lu de bout en bout par Geekay. Il faut que le sion se mette dans la position. Mec, le cul du sion. Est-ce qu'il y a un E? Est-ce qu'il y a un E de Voli? Est-ce qu'il y a un Q de sion? Ce sont les deux habilités les plus importantes. Okay, il check le mauvais bush. Oh, oh ok. Premier sport. Il est pour Guiou en plus de ça. Et Reigning est maintenant en grande difficulté. Reigning est condamné. On se split un tout petit peu. On n'aura rien d'autre pour Glory. Et voilà, les trois autos du Hail of Blades. Et après, il n'y a plus rien. Les creeps vont le massacrer en plus de ça. Le kill est pour Léo. 2-0 pour Geekay. Swap lane validé. Mais au moins... Ils sont au courant. Au moins, le Two State Fate va affronter le Sion. ça a coûté 2 kills. Mais au moins, on est dans la bonne situation. Oh, la position de la wave, t'as vu? Oui, terrible. Ça va slow push avec niveau 3 contre niveau 1 qui va arriver. Hein. C'est Reigning qui a pull la wave involontairement. Bah ouais. Ce qui fait que, évidemment, le slow push est déjà activé. Donc il va y avoir une énorme vague de minions qui va aller vers la bot lane de Glory. Et normalement, on devrait avoir un Elramir qui se pointe à ce moment-là. Wave 3, bien stacké. Et ça va arriver même avec Bong. Hein. En vrai, ils peuvent arriver à 4. Et le Volibear devrait être là pour pouvoir défendre un tout petit peu. Bon, bonne nouvelle pour Edbeek, du coup. Bah, ça va plaquer tout de suite, il n'y a pas la fortification. En mode. Bah, c'est ça, on est près 5 minutes. TF est un très très bon pusher de tourelle. Oh là là. Le slow push comme prévu. La réception comme prévu. Et en réalité, on pourrait même one-tap ce Sion avant même qu'il... Ah, bon réflexe. Belle ward. Dès que le Sion va flash. Hein. Ah mec... Pour éviter le voli, non? Ok. Ah, c'est pas comme ça, mais parce que là, tu joues pas avec ta bot lane. Mais il est trop bête, j'ai juré. Tu peux jurer, ouais. Parce que là, pour le coup, ils l'ont vu, ils étaient au courant, et il les a disrespectés comme jamais. Ah non mais là, je suis stun. Bah, première game d'IMI Masters... Quoi? Elramir les a gagnés, les IMI Masters. Rappel. Ah, ils ont tellement pas respecté le fait qu'ils pouvaient juste turn sur le groupe à deux, tu vois. Mais on les a vus. Bah oui. Mais on les a vus. On craque pas la potion là pour Envy. Pardon, hein, je m'en remets, hein, bien sûr. Ouais, je ouais, ça prend un mais peu de temps. Mais je suis choqué. Mais c'est du coup juste en fait, toute la situation créée niveau 1 aurait pu genre vraiment boucler la game. Genre la terminer. La terminer immédiatement. Reigning aurait pas eu le droit de toucher à cette wave. Mais on se retrouve dans une situation où en vrai, bah, les carreaux gold. Bah ça va. Bah ouais. Bah ça va, ça va complètement. Volibear est lancé, champion d'early. Reswap dans l'autre sens, on match. TF a eu un fat reset. Par contre, mid lane, j'avoue que il bosse bien, Guiou, mais il n'y a plus de mana. Plus de mana, donc Akali. Quoique, il y a un cookie. Oh. Mais il y a un gros voli avec deux longs swords. Okay, bonjour, monsieur. Envy Carry peut pas jouer avec. Hein. Joli, joli charme. Ça réactive le Q. Ah, il Volibear, une fois cessé, il peut se remettre à quatre pattes. Ouais. T'as juste les slows qui fonctionnent face à lui, mais les arts CC, il s'en fout un peu. Bon du coup, on veut vraiment valider le swap lane hein, pour Léo et Décap, Décapé. DKP. Parce que le K est en majuscule, tu vois, en plus. DK, on va l'appeler DK. DK. Ok. Ah ouais, DK. Bah non, on l'a déjà DK. Drift King, comme dans Fast and Furious Tokyo Drift. Quoi qu'il en soit. Ça reswap et c'est la danse du soplay là. Allez les amis, on se régale hein. On se régale. Hein. Alors. Si on même pas encore TP hein. Mais au pire. Non mais au pire dans la situation de Glory, est-ce qu'on s'en fout pas de balader le Varus? Le Varus on le fait jouer. TF est un AD carry.
C'est ça. Oh. Oh, joli cancel et non. Ça rattrape avec la peine capitale El Ramir qui connecte le stun. Et c'est un kill expéditif et clair pour les Geekay. Bah, j'ai presque cru que Only 35 là, allait réussir à s'en sortir. Le timing était vraiment bon, mais... Il a pu réactiver. Hein. Il était trop loin du mur. Et la peine capitale, elle grappe deux fois. Oui. T'as le premier petit coup et le deuxième quand Thresh peut réactiver. Bah, le double coup de fouet, absolument. Bah, du coup, c'est les premiers objectifs neutres. Trois petits grubs. Le kill part malheureusement sur la Poppy. On aurait préféré sur Aphelios, mais on va pas s'en plaindre. Ça va lui permettre de match le bon early de Joka. C'est pas de refus. Et donc, Dragon cross-map, évidemment. Et mine de rien, Varus, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour Sion. Pas à ce stade de la partie, j'entends. Non. Plus tard, ce sera autre chose. Mais là, early game, on fait pas le malin contre Sion. Enfin, on fait pas le malin en tant que Sion. D'ailleurs, le Varus, létalité. Ouais, je suis pas sûr de l'angle, mais bon. Parce qu'au bout d'un moment, il devra tout de même... Faudra quelqu'un pour tomber. Après, il y a TF, hein, donc moi je... C'est ça. Mais le TF, normalement, il viendra pas en fight. Oh, le premier item qu'il fait. Ça va ressembler à du Kraken. Hein, pour ouais, il y a un angle Kraken dans cette game. C'est ça. Oh. Kraken, petit Terminus. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, hein, mais il n'y a pas de Ghost sur ce TF. C'est vrai, à cause du swap lane, j'imagine. Hein. Ouais, on le joue à la TP pour réussir à être un peu plus mobile sur la carte. Ça fait du coup deux outils de mouvement. Avec ça, on veut un split push parfait. Allez, Chakram time. Il faut absolument réceptionner la wave, sinon Léo va prendre 1000 plaques. On est à 7 minutes. Il attend la prochaine wave, il y a Sion derrière. Le timer Chakram, a priori, va être surexploité par les Geekay. Ok, il a pas été vu, hein. Il a pas été vu. Oh. Cleanse en moins. Paupier dans le coin. Si El Ramir va charger, Bong va ulti au moment où la wave crash, ça va être fabuleux. Ça va être fabuleux. Et je crois bien que Joka, avec son Volibear, va être en retard. Ouais, il va même être repéré. C'est parti ! Ok, on a repéré. Le boulot de la Harry a été fait. Maintenant, c'est le boulot du reste. Téléportation de la part du TF. On va très, très loin pour Bong. Engage de la part de ce Nautilus. La gold card qui va partir dans un crit. Pendant que Joka va aller en 1v4 et n'aura même pas le kill. Bon, après, on a également un petit 1v4 de l'autre côté. On va dire ça comme ça. Et Bong qui va manger du golem. Il trahit sa propre race. T'as osé. J'ai laissé un blanc pour voir. L'occasion était trop belle. Pas de fou. Parce que mine de rien, enfin, il allait loin, quoi. Rien ne l'empêchait d'annuler cette charge au niveau de la tourelle. Ou alors justement, de ne jamais l'annuler. De ne jamais l'annuler, de proxy 3 waves, oui, effectivement. C'était... Fallait un juste milieu. Fallait justement pas le juste milieu. Disons que le plan de base, ok, hein. Mais bon. Là, plus il pouvait. Le loop, enfin. Oh, il pouvait continuer. À ce timing-là. Ou il pouvait aller à droite aussi, hein. Mais... Après, s'il réussissait à aller dans la base, il y a New TTF pour le réceptionner. Oh non. Bah ouais. Hein. Ah zut. Ah oh. Le spellbook. Nice. On fait tourner, bien sûr, hein, pour réavoir la TP de dispo. C'est le meilleur trade que Sion arrivera à trouver de sa vie. Tellement vrai. Voilà, c'était son prime. Tellement vrai. Et je crois bien qu'on a le premier objet pour Edbic, 73 CS TF avec déjà un carquois en poche. Et un monde. Ou alors bot rang 2, mais... Ouais, un premier item, hein. C'est pas impossible. Ah, il manque pas grand-chose. Ah, il manque vraiment rien du tout. Et du coup, c'est pas du Kraken, mais c'est du Static Angle. Ouais. Et c'est pour ça. Bah du coup, sur le précédent patch, il l'aurait eu. Ah oui, c'est vrai. Parce que le nerf qu'il y a eu sur le statique, c'est plus de 100 gold de complétion. C'est 2009 maintenant, c'est ça? Ouais. Et pour 2009, le consensus général des ADC, c'est... T'as encore un AD carry sur lequel tu peux le faire, qui est Zeri. Qui a, bien évidemment, genre, le côté... Si tu rajoutes encore des éclairs, des dégâts de zone et tout, c'est très agréable. Pour les autres, on est de retour au Kraken, quoi. Vous avez carry, hein, vraiment 100 gold, ça change tout le pass building. Poste constitué de joueurs ridicules. Oh là là, c'est Golem. Non, c'est pas les Golems, c'est les Grubs. C'est Grubs, pardon. Excuse-moi.
On a plus de zone anti-dash. Oh, oh, pas il mal. a réussi à cancel le jump, bravo. Enfin, cancel l'auto-attaque. Évidemment, belle charge et ça va pas s'arrêter ici. Superbe play. Et Bong derrière qui set up la suite de l'aventure. Plus de summoner pour Edbig. C'est un véritable bain de sang. Double kill pour Guiyu. Et DK passe super bien joué fight. L'ensemble du fight de ce Thresh, excellent. Grab bien timé, le play juste après. Nouveau grab pour enchaîner. Et les Geekai vont avoir les 5 grubs. Ce qui va les mettre très très bien. Ça push encore plus vite. Il se régale. Ah bon, lâche ça. C'est pas ta wave. Et là, c'est officiellement le break hein, dans le match. Surtout qu'on est à 4 sur... Ouais, on est à 4 hein, ici. Le flash au bon moment pour El Ramir. Et ici ah, l'auto était quasiment parti. Ouais. Vraiment dommage. Et El Ramir déjà en Mercure, c'est ce qui lui a permis d'outplay tout ça. Impossible. Parce que ça change vraiment tout. Hein. Effectivement, DK qui envoie de sacrés peines capitales. Et il était déjà en Mercure, je crois bien. Mmh. Ouais. Et du coup, maintenant, on a également Guiyu qui est en malfaisance activée. Kraken activé de l'autre côté. Oh le smite. Il n'avait pas de smite. Il n'avait pas de smite. Joka. Oh, on a un gamble. Oh les dégâts. Pas besoin de Gravitoum, mais on a besoin d'un allié pour terminer le travail. L'auto-attaque du passif. Ah, et ça touche la chaîne Grub, qu'est-ce qui sera évité par la même occasion. Un heureux accident. Et là par contre, sur la tour, ils vont juste être heureux tout court. Avec les chakrams, bon, le démolish de Bong, Léo est sur orbite. Allez, les Glory qui peuvent déjà FF la game, hein, honnêtement. Bonne chance pour le side. Le teamfight est déjà injouable. Et bon, dans tout ça, tout même important de noter que pour l'instant, Envy carry chill. 0-0-0. C'est vrai, après bon, on a un adversaire direct à 4 kills, hein, donc voilà. Il y a quand même une différence passive d'impact et de facilité d'impact. Ouais. Même, on va dire que 1000 dash ça aide. Mais il a une feed gagnante aussi. Naturellement. C'est vrai qu'il a pas mal KS. Hein. Enfin, ouais. Kill secure, hein, j'entends. Ouais, toujours. Il faut sécuriser. Ah, une Harry qui est devant, mais bien aussi. On l'a repéré. Je crois qu'on a repéré le Volibear avec cette plante. Il y a eu un ping qui est parti. Ils sont totalement perdus, les Glory. Totalement perdus. Ils mettent tellement de temps. Et ça prend des plaques à chaque fois. Hein. Personne qui va rentrer dans cette jungle. Sans retard sur tous les moves. Reigning qui est bien repéré. Et là, El Ramir. Guillaume. Oh, il le sent et il touche. C'est beau. Superbe lanterne et ça connecte avec la charge. Oh, tu le mérites ce kill. Prends-le. Tu le mérites. Franchement, aucun souci. Incroyable. Tu le mérites. Et effectivement, Bichente nous le rappelle, mais le coach DK qui est nul autre que Edward aka Go Soup Pepper. Oh là là. Qui est également, a été également une référence de Thresh dans ses grandes heures. Donc peut-être une séance de coaching indiv qui est passée par là. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est ancien joueur de Gambit ouais. Et de Moscow 5. Donc un joueur légendaire de l'Europe. Maintenant coach, logiquement. Connu pour son Thresh et sa Lulu. Étonnamment. Deux champions très similaires. Ouais, c'est vrai. En tout cas, il jouait Lulu Carry, lui. Ah, moi, je me souviens surtout de son Thresh. Hein. Ah, pas son de doute. Thresh, c'est ouf. Pas de doute là-dessus. Et je me souviens également de. Ah, son top laner avec le petit Aatrox Muramana, quoi. Ah, c'est vrai. Non, c'était cœur gelé. Ah, je me souviens d'une game où j'avais regardé et qu'à la fin. Il avait fait Muramana Renekton, je crois. Ouais, mais ils étaient tellement non, devant. Mais il a fait n'importe quoi derrière. Ouais, qu'ils se foutaient de la gueule de leur adversaire tellement ils étaient. Ça jouait corps qui cœur gelé, bot lane et tout. Belle époque. Ah, on a la proto-belle sur Akali. Voilà qui va rien changer.
Parce que là, il y en a bientôt la concentration lointaine sur Guillou. Ah, Protobelt qui va lui permettre de... Et... ce qui est déjà pas mal. Même parfois, il pourra... Et puis s'il arrive en flank, il pourra aussi éventuellement... Se faire avoir par le trash. Parce que le trash, voilà, le trash, il fait une magnifique game. 2-0-7 comme son AD carry. Ils connaissent la recette tous les deux. Et on a déjà pris tellement de tours. La map est tellement ouverte. Et globalement, bon, c'est ce qu'on voulait également. C'est ce qu'on attendait également hier de l'affrontement entre ces deux équipes. Glory avait tout de même réussi à trouver un sacré upset hier. Bon, après, la game n'est pas terminée. J'avoue que j'ai quand même une préférence pour la composition late game de gauche, initialement. Comment ça? Ah, Blue Side. Ouais. Superbe charme et un nouveau kill. Et tout le monde a le droit de manger chez EK. Tout le monde prend son petit kill. Là, c'est Bong. Oh, oh Elramir, instant cleanse de la part de Reigning. Bon réflexe. Malheureusement, les dégâts sont faits. On va aller quand même catch, enfin interrompre le jeu en side de Edlik. Mais on voit tout de même la logique de la composition Glory. On a la Akali et le TF en side, sauf que ça déclenche suffisamment rapidement pour que, pour l'instant, on n'ait qu'un impact mineur sur les deux côtés. Moi, je t'en rejoins, c'est pas horrible qu'ils aient déjà 2 T1 et un dragon. C'est pas horrible. Oh, et c'est pas mal cet engage parce qu'ils sont en supériorité numérique pendant un petit temps. Bon marteau de Poppy. Et maintenant, on va tout de même devoir teamfight sans l'ultition, sans l'ulti-poppy. C'est un... C'est un fight qui est malgré tout prenable. Ouais. Pas le plus facile. On va voir ce que Envy nous réserve. C'est un peu son moment de briller. Ok, le flash-in. Flash-out immédiatement de la part de Yoka. Oh. On a également sur le côté l'engage de ce Nautilus. Le et flanking. Le flank de Envy qui se prend immédiatement le set de Poppy. Le tampon et l'objet de courir très très loin. Et il se fait par Guillou, c'est précis. Double kill, Guillou. Est-ce qu'on a Penta? Est-ce qu'on a un angle de Penta? La dernière auto-attaque, le triple kill. Malheureusement, il n'y aura même pas de quadra. Ah, et on a vu, on a vu la complexité d'exécuter une bonne game d'Akali ici. Parce que le flanc, il était valide. Il y avait l'engage en même temps du Nautilus de l'autre côté. Il y avait les conditions remplies. Le setup était pas mal. C'est difficile d'avoir une meilleure situation, je pense. Ils ont bien conscience du positionnement qu'ils doivent adopter. En plus, c'est un grab sur le Aphelios. Mais ouais, on s'est très très bien regroupé après tout de même pour Geekay. Et Guillou est très précis. Absolument, le flash charm était magnifique. Et on voit bien que les barres de points de vie ont du mal à descendre quand même à ce stade. 7-0 Akali, Medjay, Horizon Focus. Il y a 2 Solari. Mais il y a une protobelt. Il y a la protobelt. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de ne pas le voir. Ah, bah si, il peut encore pas. Attends, l'Ethanator X-Tech, il est dans le Lich Bane encore ? Oui, tout à fait. Ouais. Le Lich Bane pour pouvoir aller jouer le side. Ça va être la logique tout de même de la Akali. On aura pris l'ulti de Harry sur une téléportation. Spoiler, il y en a un qui a un cooldown beaucoup plus court que l'autre. Vous pouvez le voir à gauche de votre écran, pardon. Et voici 15%. Voici, pardon, 25%. Et voici 50%. Et voici. Et voici, voici le jungler. Pendant ce temps-là, l'ulti d'Harry est désormais à 75%. Et la téléportation à 4%. Et attention, l'ulti d'Harry est désormais prêt à l'utilisation. Il s'est passé 26 secondes. C'est une dinguerie quand même. C'est vraiment une dinguerie. Allez, donc on va pouvoir engager une nouvelle tentative. Il est très très bien passé Guillou ici. Elramir également. Et le bisou qui va déjà toucher. C'est propre. C'est très très propre comme game de Geekay. Je sens que la défaite d'hier les a pas trop fait rigoler, les Geekay. Ils sont là pour rétablir l'équilibre des forces. Ils sont en train de les humilier, de les massacrer, et de les malaxer. Il y a vraiment une galaxie entre les deux équipes dans cette game. Elle est, et je pèse mes mots, impossible à comeback.
C'est impossible. C'est... Attends, le TF, il a 1600 gold d'avance. Hein. Ouais, ouais, bah force à lui. Hein. C'est... Alors, il va y avoir le Baron Nashor qui va être pris. Et avec le Baron, normalement, on peut terminer la game et procurer un 25 minutes pour laver la fronde d'hier. C'est... 47 secondes le Thierry. Bon, j'ai un peu exagéré. 47 secondes. Normalement, quand t'es genre. Ça doit être un bug. Hein. Avec Malignance. Mais le CD, il commence déjà à tourner quand tu utilises. Ah ouais? J'imagine. T'as vu la vitesse à laquelle il est revenu? Ouais, c'est pas passé 47 secondes. Clairement. Mais je sais que tu peux descendre à 26 secondes d'ulti quand il est niveau. Quand il est rang 3. Quand t'as toutes les stacks de. Ultimate Hunter. Ultimate Hunter. Avec Malignance qui bosse déjà bien au début. Si... Avec même le stuff normal, tu vois. Regardez, il y a les chakrams juste derrière ça. C'est timé. Magnifique. Genre de petits détails où tu te dis que bon. Cet Aphelios, c'est pas comme si on avait pu. On n'a pas eu l'occasion de voir des miracles d'un joueur. En dehors du Thresh. Ouais, le Thresh, il a fait. Oui, oui, c'est vrai. DKP a été vraiment assez bon. Mais là, c'est une belle victoire d'équipe. Dans les rotations, les choix des fights. Ils ont l'habitude de jouer cette identité de comp. Hmm. Tous autour de Léo, un peu d'espace pour Guillou. Ouais, une petite T2. Ouais, ça se prend. Hein. C'est l'objectif de la compo côté Glory. C'est tout de même une T2 contre un Nashor. Il faut voir ce que DK peut prendre avec ce Nash. Mais pour l'instant, le Baron Powerplay était négatif pendant un petit moment. Avec, bon. Avec le shutdown. Ouais. Ouais. Là, moins 37. Hein. On récupère des creeps du côté d'Envy. On va jouer mid-bot. Ce qui fait que la puissance de speed push est sur Envy Carry. Spoiler, il speed push pas grand chose. Hein. Ça va prendre un peu de temps sans Lich Bane. Hein. Il y a un monde où il prendra la T2 en même temps que l'inhibiteur. En même temps que le Nexus, oui. Ah, le Nexus. Ah, ouais, t'as... À ce point-là. J'ai pas dosé, mais. Mais un peu quand même. Mais attention, parce qu'il y a des Void Grubs. J'avais oublié les Void Grubs, ça va tellement, tellement vite. La Gold Card! Oh, incroyable! Et Bizou n'a pas touché cette fois-ci, mais ça gagne tellement d'espace. Oh oh. Ah, là, la charme, mais il est magnifique! Superbe buffer d'ulti de la part de Joka, qui va éviter la charge de Sion, probablement létale. Mais l'espace est créé pour les Geekai qui s'infiltrent dans la base Glory. Okay, on va charger sur la T4. Elramir qui arrive à sortir immédiatement après. Nouveau charme de la part de Guillou. Et Léo va prendre son premier kill de ce teamfight. Petite tentative de la part du Thresh également. Et on est obligé de flash out pour le TF. Au milieu de la mêlée, Joyka qui fait des allers-retours. Et qui va retourner par loin de la Red Box. Ouais, Akali. Oh, superbe hook, il est sublime. On a une TP disponible pour Guillou qui vient de back. Et retour. Retour de teamfight et retour de l'ultime Harry. Bien sûr. MDR. Mais pourquoi pas. Oh là, Joka qui prend ses responsabilités. Oh, il le renvoie dans la face après l'utilisation de la télébandagement, une tentative de flank. C'est absolument merveilleux. Personne ne va tomber. 5 kills. Et attention à Envy Carry qui va éliminer Elramir, mais tout le monde s'en fiche. La game est terminée. 21-3 et on va essayer de polir encore plus le score. 22-3, 10 000 gold d'avance, 24 minutes de jeu. Le seed numéro 2 de la Ligue arabe qui vient de laver la frontière. Ils sont pas lavés que ça. C'était lourd. C'est vrai que la réception de la TP a été assez grotesque de la part d'Elramir. Ouais, il était au courant. Bah, Elramir, avec cette ulti et cette game au global, il m'a fait oublier le niveau 3. Abuse pas. La moitié. Il m'a fait oublier parce la moitié. Que là, parmi les 3 morts, il y en a une, c'est celle-ci quand même. C'est vrai que sa mort niveau 3 a été cataclysmique, mais... Oh, pas mal, Akali. Pas mal. Qui s'est fait out damage par Thresh. Pas mal du tout, hein. Comme on disait en draft, c'était une bonne game d'Akali. C'était compliqué. C'était une... Bon. Bon. Le point important avec cette game, et c'est pourquoi elle était tout de même importante pour ce groupe, ces deux équipes étant 2-1, maintenant on a donc Geekai qui prend de l'avance. Ouais. Et Glory a 10 bandes également. Ils ont 10 bandes.
ils feront pas le summer, ils feront pas la suite de la compétition. Bon bah du coup Mate, c'est facile pour obtenir la deuxième place dans un groupe de 3. Donc Mate doit affronter le Portugal parce que cette équipe là vient, c'est impossible de sortir indemne d'un match comme ça, c'est sûr. Enfin, c'était comme les challenges de Sleepix, tu vois. C'était ouais. Silver contre Challenger. Il n'y a pas eu de dosage, il n'y a pas eu les 400 LP d'écart. Quoi. Et l'esprit shonen n'a pas existé, très clairement. Non, blague à part, c'est une très bonne nouvelle d'avoir une équipe qui monte et l'autre qui se prend quand même un coup sur la nuque tellement sévère que la performance pour les prochaines games, soit ils s'énervent et tout se passe bien pour eux, soit ils s'écroulent totalement. Ouais, ouais. Leur premier match aujourd'hui, c'est contre qui ? Est-ce qu'ils jouent d'abord Mate ou est-ce qu'ils jouent d'abord EGN ? Alors. Moi, je suis sur la page de Chovy. Non, Chovy, c'est pas toi aujourd'hui. Alors. On verra après la pub. Ok, ok. Ok, Bichente, c'est bon. Ils jouent au Gen. Allez, la pause et juste après, c'est l'entrée de Gentlemate. À tout de suite.